Le ahim'a, littéralement, ça veut dire atéahi, le feu, ma'a, c'est la nourriture. En fait, le ahim'a, c'est la cuisson, hein, c'est une cuisson à l'étouffée, et le ma'atéti, c'est le plat, ce sont les aliments, le mets que l'on va manger. Alors, le principe est très simple, c'est-à-dire après avoir donc brûlé tout ce qui est bois, feuilles séchées, tout le bois va être consumé, les pierres volcaniques vont être tellement chauffées qu'elles vont être incandescentes. Une fois que la braise est partie, ce sont ces pierres-là qui vont cuire tout doucement tous les aliments présents dans le trou. C'est pour ça qu'il est très important de bien fermer, que ce soit bien hermétique pour que cette chaleur ne s'échappe pas. Alors d'abord, l'aliment de base, c'est le cochon. Il faut du cochon dans le ahim'a. Ensuite, il y a donc beaucoup de féculents, des légumes et des fruits, comme la banane plantain, les bananes et le poé. C'est une sorte de pâte de fruits que l'on consomme surtout en dessert. Et c'est très sucré. Hein. Le ahim'a, ça demande beaucoup, énormément de travail, il faut beaucoup de main-d'œuvre, donc beaucoup de personnes autour. Cependant, c'est très fédérateur. Hein. Alors, ça développe beaucoup de valeurs autour de ahim'a. Donc, il y a d'abord le partage, l'entraide, la cohésion familiale, la cohésion d'une communauté et surtout la transmission des savoirs. Donc, autour de ahim'a, il y a cette transmission intergénérationnelle qui est très importante. Dans ma famille, je transmets ça à mes enfants au départ, bien entendu à mes neveux aussi, quelque part, et surtout à mon beau-fils. Et ils comprennent vite, rapidement. C'est beaucoup de travail. Oui. Donc là, rendez-vous demain matin? Demain matin, à 8h30, 9h. Hop, c'est parti. On le prend, on met dans les paniers et on est prêt à manger. Donc on prépare l'ahim'a surtout lors de grands événements qui rassemblent les membres d'une famille ou d'une communauté lors donc d'un mariage, d'un retour d'un enfant fénois et ça peut être également pour un baptême, une cérémonie religieuse. Là, c'est vraiment autour de grandes retrouvailles, on se retrouve autour d'un grand ahim'a. Il y a cette ambiance de franche camaraderie, on est très heureux d'être ensemble. Il y a cette joie de vivre, et c'est très convivial.